Nancy 20e accueille Niort 12e. Les Nancéens ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs. L'opération maintien paraît désormais très compliquée, mais mathématiquement, c'est toujours possible. Alors en cas de succès, un petit peu d'espoir potentiellement pour Niort. La série est plutôt bonne. Une victoire et 3 nuls après 6 défaites. Les Chamois ont amélioré la situation. Espèrent bien continuer comme ça. Première possibilité en faveur de Nancy. Mais ça n'est pas cadré. La réponse niortaise avec ce ballon sur le côté. La possibilité d'enchaîner, le ballon roulé. Et l'intervention de Trotte. Petite chance pour les Chamois de marquer le premier but du match grâce à cette action menée par Bilal Boutoba. Trotte reste solide dans le but de Nancy. Des Nancéens qui avaient réussi à gagner 3 buts 1 sur le terrain de Niort. Plus tôt dans la saison, c'était l'une des 5 victoires de Nancy cette saison. À la mi-temps, personne n'a réussi à prendre l'avantage. 0-0 entre Nancy et Niort. Boutoba a eu la meilleure action de la première période. Il est titulaire avec Zemzemi, Vallier et Mendes. En seconde période, les Niortais se montrent un petit peu plus offensifs et réussissent à marquer. Bilal Boutoba dès le retour du vestiaire. 48e minute, ça fait 1-0 pour les visiteurs. 6e but de la saison pour Boutoba. Trotte cette fois-ci est battu. Et Niort pour rêver de revenir dans la première moitié du classement en cas de succès. Très joli toucher de balle pour Boutoba. Niort est en train de faire la différence. Nancy a encore du temps pour revenir. Mais la confiance est clairement niortaise. Une possibilité de plus ici. Le centre de Vallier pour trouver Joseph Mendes. 2-0 à la 83e minute. L'espoir d'un bon résultat. Lorrain s'envole. 4e but de la saison pour Joseph Mendes. L'attaquant de la Guinée-Bissau est efficace. Et Niort se détache en fin de match. Il reste encore quelques minutes et Nancy essaye de marquer. Pourquoi pas là-dessus la parade réflexe incroyable de Mathieu Michel. Le gardien de but de Niort sollicité préserve le score. Très jolie tentative pour Nancy. Mais ça ne veut pas sourire. Ça ne passe pas pour Franck. Une dernière chance sur coup franc. Mais ça passe largement au-dessus. Nancy n'a rien pu faire dans ce match. Victoire finale de Niort 2-0 sur le terrain de Nancy.